Deuxième principe de cette méthode, ce sera la diversification de nos partenariats. Ils se sont trop longtemps concentrés uniquement sur les géants indispensables de l'Asie-Pacifique, que sont la Chine, l'Inde et le Japon, mais nous devons aussi, avec l'Indonésie, l'Australie, la Corée, le Vietnam, Singapour, la Malaisie et d'autres, avoir des relations fortes qui ont d'ailleurs d'immenses synergies avec les grands pays de la région. Et il est indispensable que nous sachions, là aussi, parler à chacune et chacun et déployer la force de ces relations. A mené pendant la Première Guerre mondiale. Face à l'insécurité, le repli communautaire n'est en aucun cas une bonne réponse. C'est à la France, c'est à la République, et elle seule, que revient le devoir de vous protéger. Nous avons renforcé notre dispositif dans les quartiers où les agressions ont été commises contre des Français d'origine asiatique, ainsi que pour assurer une totale sécurité de tous les touristes, en particulier les touristes chinois qui avaient eu eux aussi à subir des agressions. Messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs les maires, chers amis, je suis. Cette année est celle du chien de terre. On me dit qu'elle sera donc celle de la sagesse et de l'idéalisme, mais aussi de l'action face aux obstacles. Permettez-moi d'y voir là un programme stimulant, et votre énergie ne sera pas de trop pour l'accomplir. Mais la véritable sagesse, c'est toujours d'être un idéaliste pragmatique, un volontaire attelé au réel. Et c'est dans cet esprit avec vous que je veux, avec mon épouse, de tout cœur, vous souhaiter une très belle année du chien de terre, et vous dire combien votre présence ici, l'amitié qui nous unit, est importante pour la France. Leur créativité, leur diversité,